Maman, ça avance de ton côté? T'as plié le linge? Cool, tu passes l'aspirateur maintenant? Tu feras gaffe, hein? Je crois que le sac est plein. Faut peut-être le changer. Maman, ça te dit si à midi on mange le chat avec de la gelée de groseille? Ah bah d'accord, je vois le genre. J'y crois pas. Il faut donner 2 cristaux magiques à Protox pour passer les portes de la jungle maudite. Non. Oui, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? À part rester allongé, rien justement. Quoi? Tu plaisantes? Je viens de trouver la solution pour passer le 3e tableau de Super Dario. Et moi, je viens de faire une semaine de vaisselle Super Crado. T'as trop assuré, bien joué, louloute. Pour fêter ça, je propose pizza royale chez Gino. Qu'est-ce que t'en dis? Je dis que j'en ai marre. Marre de faire le ménage toute seule, marre des jeux vidéo et marre des pizzas, voilà. Marre des pizzas? Pas de problème. Gino, c'est le roi des spaghettis. En fait, je crois que j'ai envie de changer d'air. Ouais, bon, c'est décidé, je vais passer le week-end chez Mina. Ah bon? Ok. Mais qu'est-ce que je vais faire toute seule? Je sais pas, moi. Le ménage. Tu veux rester tout le week-end, t'es sûre? Ben oui, pourquoi? Ça t'embête? Moi, non, au contraire. Mais c'est toi qui risques d'en avoir marre. Mais non. Bah, j'ai une compétition de danse demain matin et puis il y a mes parents. Oui, bah tu sais, chez moi, ma mère est scotchée à sa console toute la journée, il y a de la poussière partout et rien dans le frigo. Ça peut vraiment pas être pire. Pas sûr. Enfin, c'est toi qui vois. Bienvenue. Mademoiselle. Merci. Décidément, j'adore chez toi. C'est toujours propre et bien rangé. Zen, quoi. Dis, maman, Lou peut passer le week-end avec nous? Bien sûr, mon cœur. Lou, tu aimes le somtam? Le som quoi? Le somtam, ce sont des petits morceaux de papaye verte mélangés avec des cacahuètes, des fruits de mer séchés et des légumes. Le tout servi avec une vinaigrette épicée, du riz gluant et du poulet grillé. Waouh! Ah, le four est chaud. Déjeuner dans 12 minutes et 45 secondes, les filles. Sidera, la baroudeuse du cosmos, avait décidé d'affronter cette nouvelle épreuve. Elle allait enfin se poser sur la planète Infector et éliminer la vermine qui régnait en maître depuis trop longtemps. Yeah, à nous deux la crasse! C'était délicieux, Joss. Et aucune portion ne dépassait les 254 kilocalories. Bien, voyons le programme de votre après-midi. Je vote pour sieste devant la télé et grignotage de gâteau au parc. Ou l'inverse, ça me va aussi. Tiens donc, formidable idée, Lou. Mais j'avais déjà prévu quelque chose. La visite de l'exposition de l'artiste Dean Van Ho. Et ensuite, Mina ira à son cours de danse. Départ dans 7 minutes et 20 secondes. Ben quoi, t'aimes pas les expos? Les expos aussi. Mais les expos avec ma mère, c'est spécial. Par la dramatisation des scènes, la simplification, voire la caricature qui caractérise son œuvre, Dean Van Ho renoue avec l'expressionnisme tout en s'intégrant à l'art moderne. Comme vous pouvez le constater vous-même, les filles, ce tableau représente quelque chose de fondamental. Un coquelicot? Pas du tout. Il représente avant tout un tournant dans la carrière de l'artiste. En effet, Dean Van Ho a totalement intégré la notion d'avant-garde. Je te l'avais dit. Par les artistes dans leur priorité donnée à la recherche. Hey, t'es ronchon, toi. Elle est passionnée, c'est génial. Moi, je trouve ça intéressant, en plus. Bon, venez les filles, allons voir la salle avec ses œuvres de la période tardive. C'est encore plus fascinant. Allô? Maman, c'est moi. Tout va bien? Ça avance côté ménage? Oui, impec. Et toi, ça va? Super, on sort d'une expo et là on va au cours de danse de Mina. Ok, génial, amusez-vous bien. Je ne voudrais pas te mettre la pression, Mina chérie, mais c'est le dernier entraînement avant la compétition.
Merci, maman, je suis au courant. Je passe vous chercher dans une heure disprécise. Dis donc, on peut dire que tu t'ennuies pas le week-end, toi. Et encore, celui-là, il est cool. Tu veux pas qu'on aille s'acheter un goûter? Non, la prof n'aime pas qu'on soit en retard. Oh là là, l'autre, elle va me faire croire que son cours de danse, c'est l'armée. Je vous rappelle que les guêtres de danse ont une longueur réglementaire. 10 cm au-dessus du genou. Pas plus, pas moins. Ne me dites pas que je suis encore en retard pour le loyer. Vous êtes encore en retard pour le loyer. Bien, ok, entrez. Je vais vous faire un chèque. Allons bon. Vous avez encore essayé de cuisiner? Non, pourquoi? Ça sent le brûlé. Ah, c'est pas possible. Oh non. Le t-shirt de fétiche de loup. Ça, c'est la tuile. Allons, allons, il suffit de le rapiécer. Rapiécer? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le recoudre, quoi. Ah! Mais je sais pas coudre. Ni passer l'aspirateur, ni cirer les parquets. Je voulais que l'appartement soit tout propre au retour de loup. C'est raté. Oh, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Le ménage, c'est bête comme chou. Et je suis sûre que vous êtes plus doué que vous ne le pensez. Vous croyez? J'en suis persuadée. Je vais vous montrer. Commençons par les carreaux. Qu'est-ce que vous utilisez pour les laver? Ben, la pluie. C'était lamentable. On dirait une bande d'hippopotames en basket. Enfin, ça ne sera jamais pire que la semaine dernière. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Tu vois, elle trouve que vous avez fait des progrès. Elle est positive, en fait. Dites, madame, vous pensez qu'on a une chance de gagner la compétition demain? Est-ce que j'ai une chance de rajeunir? Bon, te laisse pas abattre. Allez, viens, je te paye un banana split. Ok. Mina chérie, j'ai 1 minute 57 d'avance. Je vous attends dehors. Bon, petit questionnaire, truc et astuce. Que faire lorsque sa bouilloire est attartrée? On la jette. Oh, on la passe au vinaigre. Que faire avec de vieux draps usagés? On les jette. Faux. On les découpe pour faire des chiffons. Que faire avec de vieux pots de yaourt usagés? Attention, il y a un piège. On les garde. C'est sympa pour faire des maracas. Faux. On les jette. Je vous l'avais dit, j'y connais rien, c'est sans espoir. Allons, ne vous démontez pas pour si peu. Vous voulez faire un grand nettoyage, oui ou non? Ben, oui. Alors, on va s'y mettre. Et ensemble, on va y arriver, d'accord? Vous allez m'aider? Oui. Allez, au boulot. Moi, je m'occupe du salon. Et moi? Vous allez rouler toutes vos paires de chaussettes en boule. Ok. Ça, je dois pouvoir y arriver. Il est 19h30, le dîner est servi. Ça sent bon. C'est encore du somta? Non, le soir, c'est plat unique sans viande. Légumes vapeur, tofu et riz blanc. Je peux avoir un peu de beurre? Tu es sûre? Tu sais que c'est plein de graisse animale très mauvaise. Ah bon? Ben non alors. Pauvre gamine. Il y a un problème, Robert. Oui, je veux du beurre moi aussi. Jamais, c'est mauvais pour ton cholestérol. Si j'en ai, c'est à cause du stress. Et tu veux savoir ce qui me stresse? Je suppose que c'est moi, c'est ça? Parfaitement. Eh bien, pour une fois, tu as le courage d'exprimer clairement tes opinions. Oui, et je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Eh bien, vas-y, je t'écoute, on a toute la soirée. Alors, ça roule? Bah, en fait, j'ai des tas de chaussettes, mais pas deux de la même couleur. Et vous, où vous en êtes? J'ai presque fini la poussière, mais à vous de m'apprendre une astuce. Comment on nettoie ces bidules? Oula, ça se nettoie surtout pas, ça! Mais qu'est-ce que c'est? Ma console! Bah, allons bon! À quoi ça sert? À jouer à des jeux. Des jeux vidéo. J'en peux plus. Je t'avais prévenu. Dis, si on se regardait un film maintenant, j'ai des chips dans mon sac, ok? Un bon vieux film d'horreur, ça te va? Ok. Allez, les filles, les dents et au lit. Au lit? Mais il est 20h30. J'ai ma compète de danse demain matin. Mina, n'oublie pas de mettre ton réveil à 6h. 6h? Tu sais, si t'as envie de partir, je t'en voudrais pas.
C'était sympa, Amina. Vraiment, ça m'a bien changé les idées. Mais t'as envie de retrouver ta maman cool et ton chez-toi tranquille. Je te comprends. J'ai trouvé les cristaux magiques! Oh, Lou! T'es déjà là? Je vais t'expliquer. J'ai voulu faire le ménage, je te jure! Ah, c'est vrai, je confirme. Elle n'a pas réussi, mais elle a essayé. Mais c'est elle qui a voulu jouer. Ah, c'est vrai, je confirme. Alors, on a commencé une partie. Je confirme. Elle voulait découvrir Protox. Un seul personnage, ce Protox. Enfin bref, avec tout ça, j'ai pas pu ranger. Oh non, t'es encore fâchée, ma louloute? Pas du tout. À vrai dire, je suis même drôlement contente d'être de retour. Super. Mais alors, où tu vas? Chez Gino, chercher une pizza royale pour fêter ça. Ok. Allez. Oh non! Cette bonne odeur, c'est celle des grasses matinées, des brunchs et du farniente. Ouais, je ressens plutôt l'infâme odeur du blues, de la solitude et de la boule au ventre. Ben c'est gay, c'est quoi cette déprime? Ben, je vais pas voir Tristan pendant 2 mois, ça me réjouit pas vraiment, tu vois. Et voilà, c'est reparti, ça devient grave ton truc là. Le pire, c'est que tu ne sais même pas si Tristan éprouve quoi que ce soit pour toi. Eh, tiens, salut Tristan. Salut, on se voit plus tard, je dois filer, j'ai un cours de guitare. A plus. Bon, t'as raison, je crois que c'est clair, il m'ignore complètement. N'importe quoi, si ça se trouve, il est juste à 2 doigts de craquer pour toi. Tu n'as pas remarqué des signes précurseurs de l'amour? Des quoi? Ben, des attitudes, des gestes qui laisseraient penser qu'il t'aime bien. Ah, comme s'il m'embrassait par exemple? Non, moins clair que ça. Alors, comme s'il me filait son dessert à la cantine? Non. Plus clair. Comme quoi alors? À vrai dire, je ne suis pas experte. Tu n'as qu'à interroger des gens qui ont eu des histoires d'amour. 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Le fessier maintenant, redressez-vous, extension, flexion, et on se fait une petite série de 30. Et 1 et 2 et 3 et 4. J'ai failli attendre. Salut maman. Alors, c'est pas une super idée cette webcam, hein? Faut voir à l'usage. Évidemment, ça n'a pas le charme de tes visites surprises. Maman. C'est le bazar ici, comme d'habitude. Oh, qu'est-ce que tu disais? Rien que grâce à ce système, plus besoin de prendre le train. Un clic et tu es chez nous. Parlons-en de chez toi. Je suis sûre que c'est le bazar. Comme d'habitude. Et je constate que tu traînes encore en pyjama. Mais... Tu vas me faire le plaisir de t'habiller, de ranger et de te mettre au travail. Je reviens dans 1 heure pour tout vérifier. Bon, et comment ça s'éteint, ce fourbi? Tu rentres sur le fil? Salut. Salut.
Je me demande si c'était une si bonne idée que ça d'équiper mamie d'un ordinateur et d'une webcam. Ben, ça va l'occuper. Dis, tu t'y connais, toi, en signe précurseur de l'amour? Ta mère, Lucien et Monsieur Verdier? Bonjour les experts, c'est tout ce que t'as trouvé comme témoignage? J'avais que ça sous la main. Enfin bon, voici selon eux la liste des signes annonciateurs de l'amour. Vas-y, je t'écoute. Alors, d'abord ma mère, le signe du même moment, même endroit. Quand elle était jeune, elle jouait au flipper dans le café charcuterie de Mortebouze. Et bizarrement, certains garçons se débrouillaient toujours pour y être en même temps qu'elle. Et un jour, l'un d'entre eux s'est lancé et a essayé de l'embrasser. Pas mal. Au suivant. Lucien m'a parlé du signe de la salle obscure. Un jour, il a emmené une certaine Nadia au cinéma et il lui a offert des pop-corn. Et ben, elle a pas arrêté de le regarder et en sortant de la salle, elle se souvenait d'aucune scène du film. Plutôt intéressant. Ensuite? Ben, Monsieur Verdier, il m'a dit que c'était quand Boubou lui avait fait pipi sur les pieds qu'il avait compris que c'était le début d'une grande histoire d'amour. Mais ce signe-là, on va peut-être l'oublier, hein? Oui. Je crois que ça vaut mieux. Du coup, il te reste le même moment, même endroit et la salle obscure. Ben alors, y a quelqu'un? Coucou! Ah, quand même! Qu'est-ce que tu fabriques fagoté comme ça? Le chauffage est en panne. Le chauffage? Au mois de juin? Tu ne changeras donc jamais, ma pauvre fille. Toujours à jeter l'argent par les fenêtres. Bon, écoute, maman, j'adore papoter avec toi, mais je dois travailler maintenant. Tu peux bien faire une pause pour ta vieille mère, non? Figure-toi que chez le cordonnier, j'ai rencontré la mère Trochu. Tu te souviens de sa fille, Gisèle? Non. Eh bien, figure-toi que cette idiote de Gisèle a quitté son mari qui a pourtant une bonne place à la mairie pour vivre avec un maître chien qui en plus ne dresse que des caniches. Triste monde. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Attention, le voilà. C'est parti pour le même moment, même endroit. Alors comme ça, tu vas acheter des CD? Oui, des CD. Salut. Salut. Tu vas au magasin de musique, donc? Oui, au magasin de musique, là où travaille Richard, à côté de chez moi, enfin, tout près, quoi. Bon, bah, très bien, alors, au revoir. Salut. Toi et moi, ici, au même moment, si c'est pas un hasard, ça? Non, c'est pas un hasard. Lou, il faut que je t'avoue quelque chose. Oui, Tristan? Y a erreur sur la personne. Moi, c'est Gaëtan. Allez, gamine, tu te pousses. Désolée. Lou, alors? J'ai attendu 2 heures, pas de Tristan. Il n'a peut-être pas osé venir. Tu ne dois pas te laisser abattre. Il te reste le coup du cinéma. Laisse agir la magie du 7e art. Je suis sûre qu'à la fin du film, Tristan ne se souviendra d'aucune séquence. Ouais, on verra. Je suis vraiment contente que t'aies pu venir. Moi aussi, Lou. Alors, il joue Alban ou La confusion des sentiments. Paraît que c'est bien. J'avais super envie de le voir. Ça te dit? Oui. Et sinon, il y a quoi? Ben, un truc qui s'appelle Les mercenaires. Il m'a dit, quand je vous vois au milieu de vos hortensias, je vous trouve jolie comme une taupe. J'en étais toute ébobie. J'ai pas laissé passer cet affront. Espèce de vieux débris, lui ai-je dit. J'ai peut-être la vue qui baisse, mais moi, je ne porte pas de moumoute. Oh, tu m'écoutes? Ah, oui, je t'écoute. Oh, mais maman, c'est pas l'heure de ton feuilleton? La clinique de la forêt vierge? Tu parles, c'est une véritable niaiserie. Figure-toi que dans le dernier épisode, cette grosse bourde de Barbara se rend compte qu'elle a accidentellement greffé le cerveau d'un serial killer à Miss Pinstock, la vieille octogénaire. Si c'est pas malheureux! Bon, ne bouge pas pour que j'aille au petit coin. Quel cauchemar! Salut, ça va? Non. J'ai acheté une webcam à ma mère et elle me dérange toutes les 5 minutes. Je suis au bout du rouleau. Ben alors, y a quelqu'un? Attends, tu sais quoi? Je vais lui parler. Je sais trouver les mots justes avec les vieilles. Enfin, je veux dire, avec les mères.
Bonjour, madame. Ah, Alpi. Oh. Comment allez-vous, chère madame? C'est moi, Richard, le voisin de votre fille. Ah oui, je ne vous avais pas remis. Normalement, c'est à votre infâme odeur de mouton mort que je vous reconnais. Désolé, mais là, c'est au-dessus de mes forces. Allez, Richard, reviens. Ne te fâche pas, quoi. Un problème? Non, c'est rien, Lucien, je... Lucien, attends. Les ordinateurs, tout ça, c'est ton truc, non? Non, franchement, c'est énorme. T'as vu la scène où les mercenaires reviennent dans le camp des méchants, sous la pluie, et celle où ils font exploser l'hélico, et le coup des champs de mine? Tu te souviens de toutes les scènes? Ben oui, pas toi? Non. C'est pas grave. Allez, salut. Je suis désolée pour tout à l'heure. J'ai pensé que ce serait sympa que tu reviennes prendre un café. Ma mère ne nous embêtera plus, promis. Dire que je t'avais trouvé un prétendant, le petit Clément Fifrelin. C'est devenu quelqu'un de très bien. Il a une situation, lui. Il est docteur. C'est lui qui s'occupe de mes varices. Ben oui, maman, je sais. Mais non, ma fille préfère parader en redingote au mois de juin avec des pique-niques qui sentent la pique. Ben oui, maman, je sais. C'est un monde, ça. Moi qui me suis saignée aux quatre veines pour t'élever. Voilà comment tu me remercies, en fricotant avec des saltimbanques mal peignées. Ben oui, maman, je sais. Comment t'as fait ça? Mamie discute avec une vidéo de moi enregistrée tout à l'heure. Lucien a modifié le programme pour lui repasser en boucle. Ah, oh, c'est génial. Bon, on se le fait, ce petit café? Ok. Bon. Eh ben voilà, je dois me faire une raison. Il n'y a pas eu de signe et il n'y en aura jamais. Je vais pouvoir déprimer sereinement tout l'été. Ma pauvre loulou. Salut. Faut que je te laisse. Un miracle. Je te rappellerai pour te raconter. Ta mère m'a dit que je te trouverais là. Ah, ben oui. Mon père a un super mal de tête, il supporte plus le moindre bruit. Alors, comme je dois répéter ma guitare, je me suis dit que... peut-être ici... Tu as bien fait. J'aimerais bien jouer comme toi. C'est pas dur, tu sais. Si tu veux, je te montre les accords de base. Tu crois que j'y arriverai? Bien sûr. Tiens, essaie. Quelqu'un a dit, il y a toujours 1000 soleils à l'envers des nuages. Je commençais à en douter sérieusement. Mais d'un seul coup, tout s'est éclairé grâce à un signe, un tout petit signe. Finalement, les vacances commencent plutôt bien, non? Thank you.
voilà. Mon chef-d'œuvre. Salut. Waouh. Et c'est quoi? Attends, ne me dis rien. C'est pour Gino, un hommage à sa pizza aux anchois. Pas du tout. Ça ne t'évoque pas quelque chose d'un peu plus lyrique? Voyons voir. Une maladie de peau, de la viande hachée. Cette toile est censée évoquer la fougue, la passion, tous ces sentiments que j'éprouve pour Tristan. Je pensais lui offrir pour son anniversaire cet après-midi. Il fait une fête chez Gino. Ah, mais oui. Maintenant que tu le dis, la fougue, la passion, tout ça. Ben oui, c'est évident quand on le sait. C'est complètement raté, hein, honnêtement. Ben, disons que c'est pas hyper clair comme déclaration d'amour. Tu devrais peut-être être un peu plus directe. Essayer les mots, les phrases, bref, lui parler. Quand il est devant moi, les mots ne viennent pas, les phrases s'en mêlent. Il est tellement... Essaie de mettre à profit la petite fête qu'il organise chez Gino. Tu danses un peu avec lui, vous vous rapprochez, tu l'entraînes à l'écart, et là, tu lui fais ta déclaration. Ah ouais, c'est si facile que ça. Et toi, avec Richard, t'en es où exactement? Disons que j'ai pas encore trouvé le moment. Et puis... Ok, t'as raison, j'en suis nulle part, comme toi. Et si on se motivait toutes les deux? Genre, si tu le fais, je le fais. Comme une sorte de pacte? Exactement. Top là. Notre destin est en marche. Bene, entrez, ne restez pas à la porte. Ciao, Gino. Hey, Mina, je vais jamais y arriver. Respire, reste zen. Tu t'avances vers lui, tu lui offres son cadeau et tu enchaînes avec ta déclaration. Allez, courage. Ça va? Tiens, bon anniversaire. Sympa, merci. C'est un CD, j'espère qu'il te plaira. Et puis, j'aimerais bien te dire un truc après. J'espère que c'est pas le dernier Vénus Déa. On vient de me l'offrir. Ah, ok. Et sinon, t'avais un truc à me dire? Non, rien, ça peut attendre. Richard, c'est la première fois que je dis ce genre de choses à quelqu'un. Et c'est pas facile. Voilà, tu comptes beaucoup pour moi. Enfin, tu as toujours compté dès le début. Je me suis sentie proche de toi. Très proche. Comme si on s'était toujours connu. Quand tu es là, je me sens chez moi. Enfin, chez nous, quoi. Ce que j'essaie de te dire, c'est que... Dis donc, je te fais une déclaration d'amour et toi, tu te grattes. Bon, allez, je crois que je suis prête. Tu as fait un pacte avec ta mère, c'est aujourd'hui que tu dois tout dire à Tristan. Et toi, le voilà. Ça va, vous vous amusez bien? Oui, génial. Bon, mais je vais remplir mon verre. Tu voulais pas me parler d'un truc? Tu sais, moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Hein? Quoi? Ah bon? Oui, mais vas-y, à toi l'honneur. Comment dire, allez. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Tristan, joyeux anniversaire. Et ça va, elle était toute pâle. Du miel, una goutte de fleurs d'oranger, du jus d'orange et la touche segreta alla Gino. Crois-moi, Caralou, ça va te remettre en forme en un rien de temps. Alors? Encore. Tiens, serre-toi, je dois retrouver mon bocal d'olive. Quelqu'un me l'a dérobé. Oh, Dio mio. Tu m'énerves. Ok, Richard est rentré chez lui. C'est bon, j'y vais. Salut, tu vas bien? Entre. Ça va? Je voulais te dire que... Tu vas faire du camping? Oui, je vais animer une colonie de vacances pendant 2 mois. Comme tous les étés. Je te l'ai pas dit? Ben si, sans doute. Mais je me souvenais plus que tu partais aujourd'hui. Si. Bon ben, je te laisse alors. Bonnes vacances. Attends. Tu n'étais pas venu pour me dire quelque chose?
Tout ça, c'est la faute de ma mère. Elle m'a poussée à faire ce pacte stupide. À la base, j'avais un plan imparable pour que Tristan devine mes sentiments sans que j'aie rien à lui exprimer directement. Mais oui. Ma que Dio mio, ne me dis pas qu'elle a tout bu. Si. Et forcément, il a fallu qu'elle vienne fourrer son nez là-dedans, m'obligeant à tout avouer à Tristan, alors qu'elle n'est même pas fichue de parler à Richard. Il y a du café pour Arabica dedans. Adesso, elle est toute énervée. Fini la rigolade. Je vais tout lui balancer, moi. Et pas plus tard que tout de suite. Hey, Tristan. Tu peux plus te défiler maintenant. C'est l'heure H du jour J. Mille olive, ladro. Quoi? Répète, j'entends rien. Tout va me les payer. Viens ici. Je disais qu'il fallait que je te dise un truc important. Jack, Jack, je n'abandonnerai jamais, Jack. Je te le promets. Je ne te dérange pas trop? Bof, non. Jack! Jack! Tu regardes Titanic à 4 heures de l'après-midi? Ouh là là, raconte-moi tout, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, j'avais décidé de tout dire à Richard sur mon amour et tout ça. Mais cet idiot part animer une colonie pendant tout l'été. J'ai plus qu'à l'attendre comme une idiote en tricotant. Tu ne sais pas tricoter. Je sais, je suis nulle. Tu veux un conseil? Pourquoi faire? D'après toi? Bon, écoute, tu vas te passer la tête sous l'eau et foncer lui dire que tu l'aimes avant qu'il ne craque pour une monitrice de colo. Enfin, c'est ce que je ferais si j'étais à ta place. Allez, ciao! T'en voilà? Tu... Je t'accompagne à la gare? Avec plaisir. Allez, c'est pas la fin du monde, ça aurait pu être pire. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu lui vomir dessus devant tout le monde. Et voilà, on est parti. Je voulais te dire que... Ben alors, ma louloute, et le pacte? C'est raté, brisé comme mon cœur. Ciao. Lui arrive? Des problèmes d'ado. Écoute, Richard, je voulais te dire... Pardon, vas-y, je me tais. Non, excuse-moi, toi d'abord. Ben voilà, je... Dernier appel. Le train à destination de Roussignol-sur-Arbe va partir. Oui, ça va, on a compris. Allez, au revoir. Bon voyage. Au revoir. Déclarer des sentiments au docteur Helmut. C'est pas Gretchen. Et si mon amour n'était pas réciproque? Quel crétin, ce docteur Helmut! Depuis le temps qu'Ursula se pâme devant lui. Non mais il est aveugle ou quoi? De l'humour, c'est bon signe. J'avais peur que t'aies décidé de finir vieille fille avec ta mère. Vieille fille? C'est trop l'angoisse. Faut que je réagisse. Merci, ma grande. Je m'habille, je traverse la rue et je dis à Tristan que je craque totalement pour lui. Je te rappelle.
savais que je te trouverais là. Tu as vu ce temps? L'appartement de Tristan est vide. Il a déménagé, sans laisser de mots, ni rien. C'est l'été. Ouais. Cher journal, ça y est, c'est la fin de l'année. L'heure du bilan. Tristan vient de disparaître de ma vie, comme ça, pouf. Et je me rends compte que j'ai passé une année à monter des plombs pas possibles pour le rencontrer et arriver à lui parler de mes sentiments. Tout ça pour rien. Enfin bref, malgré tout, j'ai appris des tas de trucs cette année. Les règles du curling, ce que l'on obtenait en mélangeant un chat gris avec de la teinture rose, que la musique n'adoucissait pas forcément les mœurs, que les chenilles processionnaires n'étaient pas aussi stupides qu'elles en avaient l'air, les règles du croquet et un tas d'autres trucs avec un tas d'autres gens formidables. En fin de compte, je me suis plutôt bien amusée. Il me semble que j'ai un peu grandi aussi. Allez, c'est l'été, la vie est belle. Profitons-en. Mercredi à 15h45 précise, Tristan part à pied au conservatoire pour son cours de guitare qui commence à 16h. Le cours dure une demi-heure. Donc, à 16h30, Tristan repart. Il fait un petit détour par Game Zone, le magasin de jeux vidéo, et ensuite il rentre chez lui. Et là, il se remet devant sa console. Donc tu as trois super occasions pour aborder Tristan et lui parler. Mmh. Sur le chemin du conservatoire, à la sortie du cours de guitare et devant le magasin de jeux vidéo. Dis, si on remettait ça à demain, je me sens un peu vaseuse là. Non, la fuite n'est pas une solution. Peut-être, mais j'ai trop le trac. Le trac, et alors, c'est pas grave, Cendrillon aussi avait le trac avant d'aller à la soirée du prince. Ouais, et du coup, ça a mal tourné. Elle a perdu sa pompe en cristal, le carrosse et tout, quoi. Mais n'empêche qu'à la fin, le prince a fini par la retrouver. Allez, princesse, à toi de jouer. Mets ta robe de bal, allez, dépêche. Avec cette stratégie et cette robe, ça ne peut pas rater. Tu crois? Mais oui. À plus, maman. Oui, d'accord. À tout à l'heure. Bon, ça va? Tu te sens prête? C'est le grand jour. Alors, c'est qui la meilleure? C'est qui la plus belle? Et c'est qui la plus craquante? Ben... moi? Bingo! Allez, le voilà! Vas-y! Go, go, go! Allez! Et appelle-moi vite pour tout me raconter! Comment ça, il a pris le bus? Ok, t'énerve pas. Va au conservatoire à pied et attends tranquillement qu'il sorte. Comme ça, plus de problème. Ben justement si, il y a toujours un problème. Si je marche sous la pluie, ma robe va prendre l'eau et comme c'est de la laine, je vais ressembler en 2 secondes à une vieille méduse. Pas de panique, reste zen. Tu vas trouver une solution et surtout n'oublie pas. Qui c'est la meilleure, la plus belle, la plus craquante? Ouais, ouais, ok, c'est moi.
est écrit sur la porte. Démarchage interdit. Vous savez pas lire? C'est moi, Madame Schurm, la locataire du quatrième gauche. Ah, voilà, voilà, j'arrive. C'est pourquoi? Vous n'auriez pas la clé de mon voisin de palier, par hasard? Le gars avec le gilet en peau de chèvre? C'est du mouton, je crois. Mais oui, c'est ça. Il a oublié de fermer sa fenêtre et il pleut chez lui. Je n'ai pas sa clé, mais j'ai son numéro de téléphone portable. Je cherche la version live de Rock on the Paddock du groupe punk Les Taches. Londres 1978, quand le chanteur s'est électrocuté avec sa guitare électrique, c'est ça? Non, Manchester 1979, quand il s'est jeté dans la foule et que personne l'a rattrapé. Son dernier concert, quoi. Je n'en suis pas sûr. Vous avez quoi sinon dans le genre violemment antisocial? Bonjour, c'est Richard. Vous pouvez me laisser un message après la petite bête. Richard, c'est ta voisine de palier. En fait, je t'appelle pour te dire qu'il y a une petite inondation chez toi. Rien de grave, tu sais. En tout cas, je gère le problème. À ton retour, tout sera rentré dans l'ordre. À tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est encore? Vous auriez un tournevis à me prêter? Je perds tout le temps mes clés, alors la serrurerie, je connais. À force de regarder les serrureries ouvrir ma porte, j'ai compris le truc. Vous allez voir, c'est simple. J'y suis presque, encore un dernier petit tour et... Je ne voudrais pas faire ma concierge rabat-joie, mais maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous auriez pas une échelle? L'ADN est une molécule que l'on trouve dans toutes les cellules vivantes. Même dans les saucisses? Oui, mon petit Helmut, même dans les saucisses. Encore raté? Pas de panique, on va trouver une solution, t'inquiète. Reste cool. Écoute, tu vas prendre un raccourci pour arriver avant lui à la boutique de jeux vidéo. Et tu l'attendras l'air de rien, d'accord? Donne-moi ta position, je vais te guider. Je suis au début de la rue Gainsbourg. Alors tu vas prendre la première à gauche. Le plus sûr moyen d'aller d'un point A à un point B, c'est la ligne droite. Ouais. Faites surtout bien attention de ne pas aller du point A au point rez-de-chaussée. Enfin, moi, ce que j'en dis, vous savez. Quoi? Non, c'est pas une crampe. J'ai le vertige. Au secours! Et voilà, continue tout droit et tu y arrives. Il est là. À lui, je te laisse. Je rentre à la maison, je vais vivre devant la télé sous une couverture et je mangerai des cookies jusqu'à la fin de mes jours. Quoi? Mais tu peux pas faire ça! Qui c'est la plus belle, la meilleure, la plus craquante? C'est pas moi! En fait, je t'appelle pour te dire qu'il y a une petite inondation chez toi. Rien de grave, tu sais. En tout cas, je gère le problème. À ton retour, tout sera rentré dans l'ordre. À tout à l'heure. Vous prépariez un numéro de cirque ou quoi? Oui, comme ça.
Maintenant, vous pouvez retirer l'échelle. Dites, ça ne vous ennuierait pas d'enlever vos pieds de mon recueil de poèmes italiens? Je suis vraiment désolée, je savais pas que j'avais le vertige comme ça. Et il ne faudra pas oublier de me rendre mon tournevis, hein? Et je m'appelle Lou. J'habite juste là. Lou, super. Et moi, c'est... Tristan, je sais. Et t'habites là, non? Ben ouais. Restons pas là, viens. Elle est sympa, ta robe longue. C'est original. C'est vrai? T'aimes bien? C'est moi qui l'ai faite moi-même. Regarde. Ça y est, il est parti. C'était chouette. Allez, à la prochaine. Tristan, attends, ça te dirait un ciné, un de ces quatre? Ou autre chose? Enfin, ce que tu veux, quoi. Ben oui, pourquoi pas? Alors, on s'échange nos numéros? Lou, écoute, j'ai réfléchi à un autre plan. Plus la peine, ça y est. Ça y est? Je lui ai parlé. Tu peux pas savoir ce que c'était moment. C'était le moment le plus romantique de toute ma vie. Franchement, moi je dis merci la pluie. Salut, je voulais te dire pour ce qui s'est passé cet après-midi. Ah, tu veux parler de ton plancher inondé, de ton canapé bousillé, de l'urine de chat partout et des livres piétinés? Oui, mais enfin, c'est moi qui... J'ai pas été très sympa quand je suis arrivé. T'as dû avoir drôlement peur sur ton échelle et je ne t'ai même pas dit merci. Pas un mot, rien et... Donc tu ne m'en veux pas? Bien sûr que non. J'aime bien bricoler. Je vais me refaire une porte, c'est pas un problème. Allez, salut. Alors? Alors, tout va bien. Et je crois que c'est le moment idéal pour une... Une danse de la joie! Ma louloute, toujours bloquée sur ton cher Tristan? Ah, il est vraiment trop mignon. Là, il mange un sandwich au poulet. Waouh, trop sexy. Mais dis, pourquoi tu ne vas pas lui parler au lieu de l'espionner? Lui parler? Ben oui, tu sais, les mots, les phrases, tout ça. Mais je suis pas encore tout à fait prête, maman. Tu le connais depuis la maternelle et vous n'avez jamais échangé un mot. Au fond, tu es amoureuse d'un garçon que tu ne connais pas. Erreur! Je sais absolument tout sur lui, figure-toi. Vas-y, regarde. Bon, là, il s'étire, ensuite il va fermer sa BD, et puis il va terminer tranquillement son sandwich, et puis... Non,
Hein? Quoi? Non! Mon cœur saigne! Lou! Attends! Enfin, Lou, un doigt dans le nez, c'est rien. Moi-même, de temps en temps, le soir, devant la télé... Je veux pas savoir, c'est dégoûtant. D'accord, ok, d'accord. Allez, ma louloute, sors de cette malle. Non, j'ai besoin d'un peu d'introspection pour comprendre comment j'ai pu aimer un cochon pareil. Introspection? Ok, tu l'auras voulu. Maman? Ma chérie, il arrive un moment où on ne peut pas tout raconter à sa maman. Mais à son journal intime, on peut tout dire. Surtout ses peines de cœur. Non, je préfère rester malheureuse toute ma vie. Mina, j'ai besoin de toi, là. Doigt dans le nez, amour déçu, mal de la honte. Je vois. Nous devons faire face à une situation de crise niveau 8. Voire 9. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Je ne vois qu'une seule solution. Faire chauffer du lait. Maintenant, il suffit de compter. 1, 2, 3, top! Mina! Ok, je vous laisse. Pendant ce temps, je vais vous préparer une surprise, un super déjeuner. Un déjeuner, t'es sûre? Oui, oui, t'inquiète pas. Bon, alors, Lou, c'est quoi ce drame avec Tristan, hein? Ne prononce plus jamais ce prénom! Mon cœur a été brisé par les sombres et implacables mâchoires d'un phacochère aux naseaux putrides! Ok, tu nous fais carrément une crise de niveau 12. Tu sais quoi? Il faut que tu passes à autre chose. Tu dois oublier je veux dire, Bob. On va l'appeler Bob. L'oublier? Ben voyons, et comment? T'inquiète, j'ai des tas d'idées. Alors, c'est pas génial d'être ici? Ouais. Tu entends ce doux bruit qui se rapproche? 4, 3, 2, 1... Oh! Yahoo! Wouah! Celui-là, je parie qu'il va à Madagascar. Et toi? Je sais pas, on fiche. Allez, imagine qu'on est dedans et qu'on fait le tour du monde. Énorme. T'as vu la taille de son nez? Oh. Et crotte. Bon alors, curcuma. Curcuma... Il n'y a pas de curcuma à Osaka. Je répète, il n'y a pas de curcuma à Osaka. Il n'y a pas d'estragon à Saigon. Silence, malheureuse! Quelle est votre stratégie? Sabotage? Infiltration? Non. Fabrication de goulash sildave. C'est pour ma fille. Elle a son premier chagrin d'amour. Un garçon qui s'est mis son doigt dans le nez sans crier gare. Je vois. En 1958, un sorcier Matoutou a recollé les morceaux de mon cœur brisé. En Afrique? Non, en Haute-Marne. Depuis, le maraboutage n'a plus de secret pour moi. Mais ne le répétez à personne. Ok, je vais faire gaffe. Allez, maintenant, vas-y, Lou. Mets-y toutes tes tripes. Il faut l'exorciser, ta douleur. Elle doit rester là, sur le trottoir. Allez, fais-lui sa fête. Waouh, c'est puissant. Alors, ajoutez ensuite les carottes coupées en rondelles. Bien. Voyons voir. Carottes. Oh, bon, allez, va pour du concombre. Après tout, c'est la même chose, en plus gros et en vert. Hop. Voilà. Ajoutez une pincée de sel. Faire mijoter une heure à feu doux sans arrêter de tourner. Ok. Round 2. Fight. Allez, vas-y, sabatte-le comme il le mérite, ce ninja de malheur. Youpi! J'adore ce jeu. Ouais, tu m'étonnes. Allez, continue et n'oublie pas l'attaque spéciale. Voilà, et maintenant, mets-lui un gros punta. Yeah! Bien joué, le bourre-pif! You lose.
Je suis désolée, mais là, j'ai épuisé tout mon stock d'idées pour te faire oublier, Bob. Je vais être malheureuse à jamais. Désormais, le soleil de l'amour ne luira plus pour moi. Mon existence ne sera plus que ténèbres. Attends un peu avant les ténèbres. Ta mère nous a préparé un super déjeuner. Sympa, non? Et voilà, du délicieux borscht. C'est une recette sildave destinée à réconforter les amoureux en détresse. Miam, ça sent drôlement bon, hein, Lou? Qu'est-ce qu'il lui prend? Surprenant. Au grand mot, les grands remèdes. Vous, vous allez manger chez Gino une pizza. Moi, j'ai un petit truc à faire. Rendez-vous ici dans une heure. Oh. Il n'y a plus de curcuma à Osaka. Il n'y a pas d'estragon à Saigon. Et pour mes petites reines, deux super Regina préparées avec amour par votre Gino. Lou, depuis que tu es entrée, tu fais une tête d'enterrement. Ma, tu veux couper l'appétit de tous mes clients. Gino. Oh, mia bambina, si je trouve le misérable qui t'a fait de la peine, il va entendre parler de Gino. Rah, il va déguster et pas une calzone. Bonjour, Gino. Ma pizza est prête? La voilà, Tristan. Buon appetito. Merci, Gino. À plus. C'est bon, Lou. Bob est parti. Ma, qui c'est ce Bob? Un maraboutage anti-cœur brisé. C'est ça ta super idée? Simple et efficace. On rassemble tous les objets appartenant à Bob que tu possèdes. On ajoute un de ses cheveux et on fait tout flamber. Et ensuite on appelle les pompiers? Mais non, ensuite tu es libéré. Ça marche, j'en suis sûre. C'est l'ancien qui me l'a dit, alors? Ah bah alors tu penses? Allez Lou, quoi? Ça coûte rien d'essayer. Tu veux l'oublier ou pas ton Tristan, ton Bob? Ok, ok. J'ai peut-être un ou deux trucs à lui. Mais je promets rien. Génial. Il ne manque qu'un de ses cheveux. Oui, bah désolée maman, j'ai pas ça en stock. Alors autant laisser tomber. Hein. Je ne laisse jamais tomber. Bonjour jeune homme. Voulez-vous aider la science à faire des progrès décisifs qui changeront à jamais la face de l'humanité? Waouh, comment t'as fait? Top secret. Allez, tout le monde en place. Le maraboutage anti-cœur brisé peut commencer. Oh, istuparam nazit la mise à l'amour, astropisa vrunta spacitum. Adieu à l'amour. Oh, istuparam nazu la mise tout. Ah, en fait, l'idée c'est de te casser les oreilles. Comme ça, t'oublies direct ton cœur brisé. Oh, les filles, n'arrêtez pas. Je sens l'esprit du grand Matoutou fondre sur moi. Oh, dis adieu à l'amour, adieu à l'amour, adieu. Banana. Voilà, maintenant, mettre le feu à tout ça, tu dois, et l'oubli, tu trouveras. Bon, allez, quoi, vas-y. Allez, Lou. Et comme ça, j'oublierai mon amour pour toujours. Résultat garanti par le grand sorcier Matoutou de la Haute-Marne. Hein? Oh? Je peux pas. Tristan me dégoûte, mais je ne veux pas l'oublier. J'ai besoin d'être seule maintenant, laissez-moi. À son journal intime, on peut tout dire, surtout ses peines de cœur. Et ça soulage, crois-moi. Allô, Mila, c'est moi. Oui, ça va mieux. Tu sais quoi?
Tristan et moi, on est pareil. On est fait l'un pour l'autre. C'est la première fois que je tiens un journal intime. J'ai le trac. Je crois qu'il faut commencer par « Cher journal » ou un truc comme ça, non? Ou alors je présente les personnages comme dans un livre. Ah ouais, je vais faire ça. Alors, lui, ben, c'est Tristan. On pourrait croire que c'est mon amoureux, mais bon, en fait, c'est juste un copain. Ouais. Un très bon copain. Un très très bon copain. Mais un copain, pas plus, hein. Juste un copain, quoi. Voilà.